Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, ça dépend de à quelle heure vraiment que on va suivre nous, on va suivre public ça. Côté que je dis à nous venir pour que nous capables font petit parler ensemble avec vous. Donc aujourd'hui nous venir porter pour une rubrique côté que va présenter jeudi hein, eh bien des personnages vraiment qui vraiment possédé en pile milliards de dollars dans le monde entier. Alors, et pour même qui a suivi nous là ou sur channel TAC 509, eh bien quel que soit côté que ou même où y est sur planète Terre, eh bien depuis qu'un signal internet, depuis exister la technologie, encore nouvelle technologie, eh bien TAC 509, eh bien nous la caillou pour que nous capable porter pour même des informations qui a utile pour toute la vie, même j'ai un pile dans monde sous tac là, et bien qui parlait de santé, il y en a d'autres qui parlait de la musique, il y en a d'autres qui parlait d'autres rubriques qui nous fait politique, qui nous fait culture. Et bien jeudi on voulait parler avant, et bien sous channel TAC 509, mais avant tout non pas c'est Louis Charles Higginson. Et bien nous là pour que jeudi a nous capable vraiment faire un petit parler ensemble avec vous, faire un petit présenter ou eh bien des milliardaires eh bien qui dans le monde. Eh bien il y a un magazine qui dans pays États-Unis, eh bien qui c'est magazine Forbes. Eh bien magazine ça, eh bien chaque année, eh bien il est toujours présenté une vingtaine ou encore un top 20 des milliardaires dans le monde. Eh bien, jeudi, hein, nous pas le présente, nous même nous pas présente au top 20 milliardaires dans le monde, mais jeudi, hein, nous présente au 5 là-dedans, 5 mouns, eh bien, yo même qui gagnent plus cob ou encore plus l'argent dans le monde. Mais Fonzou tout, eh bien, Forbes, eh bien, magazine américain, ça, eh bien, lui-même, lui, barouillot, c'est parce que moun sa yo même yo rend fortune yo public, soit l'argent que yo rentre dans entreprise yo ou encore l'argent que yo gagne comme héritage. Eh bien nous dit que n'a présente aux 5 là-dedans yo, ben je dis à pour comme moun nous jwenn nan liste là en tête de liste depuis 2017, eh bien c'est monsieur ça qui c'est Jeff Bezos. Jeff Bezos c'est le fondateur de Amazon, eh bien lui-même qui gagnait une fortune qui est évaluée avec 131 milliards de dollars américains. Et nous pas joindre qui pourra suivre monsieur, qui c'est monde qui pourra suivre c'est Bill Gates, et bien lui-même qui pourra suivre avec 96,5 milliards de dollars américains. Et puis en troisième position nous avons joindre Warren Buffett avec 82,5 milliards de dollars américains. Et puis en quatrième position nous pourra joindre Bernard Arnold, et bien lui-même qui avec 76 milliards de dollars américains. Eh bien, nous joignons encore Carlos Slim et Lou, eh bien, lui-même, fortune, monsieur, qui évalue lui-même avec 64 milliards de dollars. Eh bien, une remarque que nous fait, c'est que dans top 20 milliardaires, que magazine Forbes lui-même est sorti en mars dernier, eh bien, nous joignons gagner là-dedans, yo, 14 américains, et bien eux-mêmes qui fait partie de l'ISA. Mais lorsque nous prend un monde tankou Bezos, et bien Jeff Bezos, et bien lui-même c'est vraiment un américain, et bien lui-même qui possède 131 milliards de dollars. Et bien l'on prend Bill Gates a eu une fortune de 96,5 milliards de dollars américains, encore c'est un américain. Et puis Warren Buffett c'est un américain. Et puis quatrième position Arnold Bernard, 76 milliards de dollars américains. Et bien lui-même tout, il est pas américain, il est un français. Et puis moun qui vient en cinquième position c'est Carlos Slim et Lou, et bien lui-même qui gagne 64 milliards de dollars américains, eh bien c'est un mexicain. Donc mexicain, vous comprenez ça? Mais ça qui vient arriver dans top 20, j'en désou déjà gagné 14 américains dans top 20. Après ça on a un français, on a un mexicain, on a un japonais,
etc. Mais dans top 20, il y a 6 places qui étaient, mais la donne seulement il y a gagné 14 Américains eux-mêmes qui gagnent plus fortune ou encore qui gagnent plus l'argent dans le monde. Si vous avez fait calcul pour tous les Américains qui font partie de cette liste, vous avez vu que fortune, il y a vraiment une fortune extraordinaire. Eh bien, je dis à nous voulez. Alors, une raison qui fait que nous présentons liste des milliardaires, qui gagne plus comme, c'est parce que nous avons un bagage qui a attiré attention nous et nous-mêmes tout, nous voulons attirer attention sur ça. Qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque nous regardons un monde tant que Jeff Bezos, lorsque nous regardons personnage ça en lui-même, qui ça que nous? Jeff Bezos, c'est un monde qui naît un 12 janvier 1964. Jeff Bezos, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur. Et puis également, c'est le PDG de l'Amazon. Monsieur, lorsque l'on regarde par colis, c'est que lorsque il a commencé Amazon, tant que je dis, on est Amazon, on est capable d'acheter tout le bagage sous lui, qui est déjà, tant qu'on a besoin de bon téléphone, on est capable sur Amazon, on fait commande, on paye par moyen de 4 de crédit, etc. Mais tout, mais lorsque il a commencé, Amazon, je dis à qui vient une grande entreprise, mais lorsque il a commencé, il a commencé seulement avec une boutique, côté qui a vendu seulement livres en ligne, ou encore de capable parler de une librairie en ligne. C'est comme ça qu'il a commencé. Mais je dis à Amazon, il est venu yon grand entreprise, qui a servi le monde entier, qui baille des milliers de monde travail. Qui ça que nous, c'est que, jodian, c'est bon, c'est bien, pour que un monde vraiment li capable de travailler, parce que c'est la Bible lui-même lui dit déjà, pour capable manger, faut qu'on capable de travailler. Nous songe un groupe qui chantait, il dit, c'est dans le travail, toute richesse là y est. OK, mais tout nous voulons attirer attention amis nous yo sur ça. C'est bien pour nous travailler, mais également nous besoin apprendre à créer un bagage. Si jodi c'est ou même qui c'est yon moun k ap travay a moun, ou c'est un employé, faut capable bataille tout de même pour que ou capable yon employeur. Ça veut dire que si jodi a moi même c'est moun k ap travay avec un moun, faut que moi lutter, faut que moi faire chant l'esprit de travail, pour que moi même demain moi capable créer un bagage pour que moi capable gagner l'argent. Je dis, nous voyons ça souvent. Yon équipe moun, puisque yo travaille dans primature, yo travaille dans le parlement haïtien, yo travaille vraiment avec nan palais national, yo travaille nan mairie communale, etc. Mais yo pas jamais essayé faire un bagage, parce que imagine-toi bien, je dis hein, ou capable yon employé, puis demain ou perdu job ou capable perdu travail ou, mais ou besoin gagner yon bagay que ou même ou innover yon bagay que ou fait, qui capable rapporter de l'argent. Et yon nan bagay que qui attire attention, c'est que Jeff Bezos, lui-même li pas comme, c'est vrai que Amazon c'est une grande entreprise aujourd'hui, ouais, qui quantité de services que Amazon lui-même la baille, mais lorsque l'étape commencé, il a commencé seulement avec une partie qui s'est libérée, une partie qui c'est que seulement où t'as vendu livres en ligne. Mais je dis, ou capable de joindre en pile bagaille sur Amazon. Alors, nous encourageons, Zamitak 609, nous encourageons pour que ou capable vraiment essayer, faire l'esprit au travail pour que ou capable vraiment faire un bagage qui capable rapporter de l'argent, même si que li par rapport au fortune dans un an, li pas ba ou dans deux ans, mais avec objectif que ou même ou gagner, li a capable porter succès pour ou, li te mettre dans 5 ans construction, pas qu'à tout fait jodi a
pour ou pas tout commencer pour tout finir. Ou besoin commencer d'abord et puis pour suivre une trace ou une ligne, pour suivre et puis comme ça que ou capable vraiment réussi et bien dans entreprise que ou même ou lancé. Alors nous devons faire un petit parler de Jeff Bezos, Jeffrey Preston Jorgensen. Et bien il c'est monsieur, je dirais qui c'est un milliardaire. Et bien il c'était petit un monsieur télé Ted Jorgensen. Et bien c'était papa monsieur ça que nous a parlé de Jeffrey Preston Jorgensen. Eh bien, nous pas jeune jeune que Jeff il pral vinn changer nom, il pral perdu de nom Perli, mais puisque papa pral vraiment qui abandonner maman, ça fait on parle d'un enfant ou encore d'un fils abandonné. Eh bien lorsque maman papa monsieur abandonné avec maman, eh bien maman monsieur vinn joindre vraiment yon monsieur. Eh bien, yon monsieur, eh bien, c'est yon immigrant, eh bien, yon immigré cubain, eh bien, côté que li capable de faire petite vraiment ensemble avec monsieur, eh bien, ou après li pas faire partie, li vinn pas porter nom. Papal, eh bien, kounya la, c'est bay ou nan bagay après c'est que ou après monsieur li pas signé Jorgensen, mais li signé Bezos. Alors, c'est information ça yo vraiment que nous vraiment porter pour même jodi. C'est une bagay qui attire attention c'est que même lorsque nous té wè maman, monsieur, papa, monsieur té abandonné, mais maman té kenbe ensemble avec lui, li joine l'autre monde et bien qui fait éducation et bien Bezos, il té prend monsieur en tant que petite li, li prend en tant que petite li, et bien il était venu rendre monsieur fait université aux États-Unis, et bien ou va le jeune monsieur, il va venir un gros informaticien puisque il étudie des diplômés en sciences informatiques. Alors et pour dire que Jeff Bezos, et bien monsieur, il gagnait 4 enfants, et bien parmi eux, et bien il gagnait seulement 3 garçons, une fille adoptive. Eh bien, nous voyons que monsieur ça, c'est un monde qui gagne vraiment en pile fortune. Eh bien, merci déjà parce que vous même vous t'avez suivre rubrique ça, une rubrique information, connaissance générale, eh bien qui a bon pour vous, qui a bon pour l'esprit vous, eh bien ou capable partager, ou capable likely, ou capable faire commenter sous lit parce que vous gagne droit ça tout. Mais tout n'a quitté avec question ça. Pour répondre question 1, vous capable répondre dans commentaire hein, qui deuxième langue américain vous parlez, ou encore qui deuxième langue États-Unis lui-même les pratiquer après anglais qui langue vous parlez. Deuxième bagaille, qui 20e monde qui dans liste que magazine Forbes il était fait sortir à liste des millionnaires, qui 20e monde nan, qui 20e monde nan et qui nationalité non li nationalité et fortune li évalué à combien de dollars américains. Merci parce que nous t'as suivi rubrique là et nous quoi que ou répondre question ça dans commentaire là et c'est sûr que ou gagner pour capable recevoir des primes sur ensemble des questions que ou même ou gagner pour répondre dans rubrique connaissance plus pour jeudi. A pas oublier abonner avec Chanel Louan, qui c'est TAC 509. Et puis, pas oublier tout, vous capable d'abonner avec nous, non seulement sur YouTube, et puis également sur Facebook. Partagez, commentez, like, et bien, pour que plus de monde capable de gagner plus connaissance de rubrique Noyo. Merci à tout le monde. Merci, Scope, et bien, qui a fait tout arrangement. Et bien, non pas, c'est Louis Charles Higginson, n'a croisé encore pour une autre rubrique Connaissance Plus qui est plus belle que ça je dis. Au revoir.